Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 461, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nou toujours dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et santa remè ou tiré jodi a nan livre sa, ce sont des attitudes à adopter. Bon Dieu qui sauve nou an, vle nou vivre yon vie chrétienne de qualité. Est-ce la raison pour laquelle il nous donne dans sa sainte parole des modèles, des commandements, et lui-même mettait à disposition nous en pile bénédiction si nous d'accord conformer la vie nous selon sa sainte volonté. Moi pas besoin mando encore sous getan li l'épître de Paul aux Philippiens. Ça fait 2 semaines déjà n'a motivé pour li bel livre ça. Selon le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Philippiens, l'une des toutes premières attitudes à imiter, il s'agit d'un esprit ouvert aux autres. Je lis à votre écoute au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Malheureusement, en tant que haïtien, yo toujours enseigné nous, za fè l'autre monde pas regarder nous. Chaque coucouge clairé pour géo. C'est pour un seul monde où doit bataille. C'est intérêt un seul monde où doit chercher. Intérêt pas seulement. Mais le Christ, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés de nos vieilles manières de vivre d'autrefois, Christ mandé nous pour nous vivre dans la communion fraternelle. Pour nous considérer non seulement nos intérêts, mais aussi ceux des autres. Mais ici, nous sommes dans un domaine spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit le chrétien. Et c'est ça que fait apôtre Paul certifié dans verset 1er. Parce que nous sommes en communion avec le Christ, il y a quelques consolations de l'amour. Il y a quelques communions d'esprit. Il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Et c'est parce que chrétien yo a vivre réalité sa yo, le verset 3 les exhorte à ne rien faire par esprit de parti ou par égoïsme. Mais que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà une attitude à adopter. Deuxième attitude à adopter, il s'agit d'un esprit de service. Philippiens 2, verset 7. Très souvent, moi-même avec, nous t'a préféré ce monde qui a servi nous au lieu de nous servir l'autre monde. Pour qui ça? Peut-être parce que nous sentis nous gagnons plus connaissance. Peut-être parce que nous sentis nous gagnons plus pouvoir. Peut-être parce que nous sentis nous gagnons plus avantage ou bien matériel. Mais, tendez bien, le Christ, le Fils de Dieu, il avait toutes ces choses. Mais, il s'est dépouillé de toutes ces choses pour adopter un esprit de service. Livine servi et même accepter la mort pour moi-même à verre. Encore une autre attitude que nous devons adopter. J'aime grandement l'épître de Paul aux Philippiens. Non seulement le livre nous enseigne à adopter un esprit ouvert aux autres, un esprit de service, mais au verset 8, toujours le chapitre 2, un esprit de sacrifice. Pas oublier, notre parfait modèle, c'est le Christ. Et il a accepté le sacrifice le plus élevé. Il a accepté la mort, et plus encore, la mort de la croix. Tendez bien. C'est depuis l'éternité passée, oui, le Christ savait qu'il devait venir sur la terre et mourir sur la croix. Pendant toute l'éternité, il a cultivé cet esprit de sacrifice. Zami mouen, êtes-vous animé d'un esprit de sacrifice pour la gloire de Dieu, pour la volonté de Dieu capable d'exécuter dans la vie ou même? Nul sacrifice n'est trop grand depuis bon Dieu a accepté et tiré gloire là-dedans. Pour terminer, nous vous invitons à faire ces 4 choses. Adopter un esprit ouvert aux autres, adopter un esprit de service, adopter un esprit de sacrifice et
al abonne sou page YouTube nou an, Ma Bible, Mon Trésor. Pendant à pas abonné, al souti cloche notification, choisi tout. Merci parce que t'as tendin. Et pas oublier non, nous prenons rendez-vous pour notre plus prochain numéro.